Bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous. Alors voilà, évidemment, donc encore un acteur incontournable des restaurateurs et des hôteliers. Vous êtes distributeur de boissons depuis 1904. Vous vous étendez aujourd'hui sur 7 départements et vous m'avez expliqué que vous aviez 4800 références au service des entreprises. Alors, tout simplement, pourquoi est-ce que vous êtes partenaire ce soir de cet événement ? Alors, il y a plusieurs raisons. Ça permet de rendre hommage au travail familial et aux équipes qui travaillent au quotidien au service de nos clients, puisque nous faisons beaucoup d'approches, la livraison du dernier kilomètre, c'est-à-dire déposer la marchandise, la descendre en cave, entretenir les tirages pression, les machines à café. On est une entreprise multiservice au service de nos clients. Et donc, justement, quels moyens sont mis au service de ces professionnels ? Eh bien, tout le matériel dont vous nous disposons et les 4800 références qui sont sélectionnées soit par des acteurs locaux, des vignerons, notamment, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure, et puis d'autres fournisseurs sur le produit national ou international. Forcément, il y a des marques qui sont incontournables et qui sont nécessaires à la distribution de nos produits. Vous m'avez expliqué que vous apportiez des réponses individuelles. On rapporte effectivement des réponses individuelles, puisque nous intervenons lors de transactions et de ventes de fonds de commerce. Et puis, on intervient aussi, on est beaucoup intervenu pendant le Covid, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on n'imaginait pas ne pas être là aujourd'hui. Être là pour vous, c'était le slogan de l'époque où on voulait vraiment aider nos clients, puisqu'on faisait aussi partie de ces métiers connexes qui ont énormément souffert sur cette période-là. Et il ne faut pas l'oublier, parce que tout le monde ne s'est pas remonté et que nous avons des clients qui ont disparu suite à cette terrible crise qui a particulièrement frappé nos restaurateurs. Et on a des restaurateurs qui ont repris en pleine crise Covid et qui s'en sont bien sortis, donc bravo à eux. Donc on va découvrir le lauréat de la brasserie. Et donc c'est le Léonce Café à Lons-le-Saunier avec David Arizot. Alors David, vous avez repris le Léonce Café en 2021, donc en plein Covid. Un établissement très connu à Lons, et vous avez mis un soin tout particulier pour construire votre carte. En 2023, vous avez eu la reconnaissance du guide du Rota. Alors, parlez-nous de la cuisine que vous proposez au Léonce, la brasserie. Une cuisine simple, efficace, comme j'aime à dire. Frites maison, produits maison. On va se lancer même plus sur produits franc-comtois, nouvelle carte. Voilà. Des salades, des burgers. Des salades, des burgers, des camemberts, Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Et ben justement, quand on a échangé, vous disiez que le Léonce, c'est plus qu'une brasserie, c'est un lieu de vie. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ben, faut que les gens, ils aiment s'y retrouver, s'y amuser, passer des bons moments, être agréable. Voilà. Ah, c'est ce que je disais au début de la soirée, vous apportez du bonheur. C'est un beau métier. Donc on va faire la photo, tous les deux. Le tirage au sort avant de partir. Donc c'est un repas pour deux personnes à valoir sur les salades, burgers, classiques, jurassiques, végétariens ou le midi sur le plat du jour. Et c'est le numéro 123. Merci à vous. Merci.